C'était plutôt une journée bonne. On a commencé par les essais libres, on a pu faire 4 séances, donc ça c'était plutôt bien. Au niveau de l'organisation, c'était plutôt pas mal. Ça permet de faire des essais et de la mise en main. Du coup, en première manche, je fais un bon départ. J'arrive à faire le 7e temps, donc ça c'est plutôt bien pour un début de week-end. En deuxième manche, ça a été un peu plus compliqué, un bon départ aussi, mais à égalité avec Peter Solberg, Ekinen arrive à en profiter à l'extérieur. Et dans le second virage, j'arrive à redoubler Peter, donc je finis deuxième après ce départ. Donc plutôt pas trop mal non plus. Et on était vraiment tous en peloton, tous serrés, ça se bataillait dur et on a perdu pas mal de temps. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est plutôt bien. Je fais un 12e temps, on sait le niveau du championnat du monde en ce moment, donc c'est pas facile, et c'est de bonne augure pour le reste du week-end. Hein. Je pense que si j'arrive à me qualifier en demi-finale, on va essayer de faire de la meilleure place possible pour pouvoir en profiter, et puis pourquoi pas se qualifier en finale, ce serait super. Quoi.